C'est avec beaucoup de fierté et une émotion non dissimulée que nous venons de signer avec Alain Pelletier et en présence de Jacques Détré, le vice-président de France Gallo pour l'obstacle, ce contrat. Qu'est-ce que c'est que ce contrat? C'est le contrat de partenariat de Francir avec l'Anjouleur Challenge. Et oui, pour 3 ans au moins, peut-être plus, je l'espère. L'Anjouleur Challenge, la course la plus dure de l'obstacle en France s'appellera le Francir Anjouleur Challenge. En présence donc de Jacques Détré, nous venons de signer. Alors Jacques, qui est juste à côté de moi, nouveau vice-président de France Gallo, grand propriétaire, le cross. Quelle est l'importance du cross dans le paysage des courses d'obstacles en France? Le cross est un sport éminemment spectaculaire et donc tout le monde aime le cross, même les gens qui ont des petites sensations désagréables sur les courses, ils aiment quand même le cross parce que le cross arrive toujours à la fin d'une réunion où tout le monde est détendu sous un soleil éclatant et on regarde ça avec une certaine empathie, ça c'est dans le public. C'est pas facile de trouver des sponsors pour les courses, notamment pour les courses d'obstacles. Là, il y en a un, et Alain Pelletier va nous le dire, c'est seulement au bout de 10 ans. Pourquoi c'est difficile de trouver des sponsors et pourquoi c'est quand même un moteur de satisfaction d'en trouver? Mais c'est difficile parce que notre sport n'a pas une image pour l'instant qui est à la hauteur de ce qu'il mériterait. Et c'est pour ça que c'est difficile. Les footballeurs n'ont pas de difficultés pour trouver du sponsoring. Donc tout le travail, c'est de donner une bonne image de nos courses à l'extérieur. Quand on aura réussi à donner cette bonne image, on réussira à obtenir du sponsoring plus facilement. Eh bien, en tout cas, c'est ce à quoi on va s'attacher avec, bien sûr, le concours d'Alain Pelletier. Alors, Alain, effectivement, créateur fou, parce qu'on te prenait quand même pour un fou. Les prédécesseurs de Jacques Détré, notamment, à France Gallo, te prenaient quand même pour un exalté, un hurluberlu quand tu as créé l'Anjouleur Challenge. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? C'est au total une réussite complète. La première année, on nous a dit que les chevaux allaient mourir au bout de la course. Et en fait, on a même eu un cheval qui a recouru 15 jours après. Donc, c'est une réussite. On prenait des risques, mais en même temps, on s'était rendu compte que ce sont les grands cross qui attirent le plus de public sur tous les hippodromes. Le grand cross de Pau, le grand cross de Cran, le grand cross du Lyon, etc. Qu'il fallait absolument exploiter cela, l'aspect sportif et l'aspect donc le côté du cheval que tout le monde connaît. Car en fait, ce sont des chevaux qui courent jusqu'à un âge avancé et le public est toujours supporter d'un certain nombre d'entre eux. Ça, c'est important. Et ça venait à la suite aussi d'une action menée par France Gallo et notamment à l'époque Patrick Delège sur la revalorisation du cross. Et à la suite de ça, nous avions organisé ici le premier colloque européen du cross-country. Là encore, nous avions dit vous n'aurez personne. On a eu 8 nations et les premiers à répondre ont été les Anglais de Cheltenham. Nous avons fait le premier colloque, à la suite de quoi a été créée la Crystal Cup. Plus de 10 000 personnes à chaque fois. Plus de 10 000 personnes. Hein, ça fait rêver pas mal d'hippodromes en France, et voire dans le monde, et même à Auteuil. Plus de 10 000 personnes, voire 15 000. Je crois que M. Pelletier a raison. Les chevaux sont des chevaux d'âge. Les gens s'identifient aux chevaux. Moi, je vois au fur et à mesure que les chevaux progressent dans leur carrière et qu'ils durent, les gens les aiment de plus en plus. C'est incroyable. C'est comme nous, en fait. Absolument, et il suffit de voir sur les réseaux sociaux les gens qui réagissent et qui encouragent les chevaux. Je me souviens notamment de Crisetti. Crisetti avait une foule de supporters et de supportrices qui suivaient le cheval aussi bien à Cran qu'au Lyon. Donc tout ça est important et c'est là un petit peu l'âme du peuple. Il faut aller vers l'âme du peuple et non pas uniquement vers des chevaux qu'on admire, mais qui courent 5 ou 6 fois et qu'on ne revoit plus après. L'âme du peuple? L'âme du peuple, c'est quelque chose d'important. Effectivement, quelque chose d'important et qui est pris totalement en compte par Francir, l'âme du peuple, c'est sûrement sa future devise. Nous n'allons pas nous quitter sans bien sûr vous faire un petit cadeau. Alors vous allez avoir le choix entre la plus dure ou la plus longue, effectivement, parce que 7300 mètres, on n'a pas précisé quand même la distance de l'Anjouleur Challenge, c'est la plus dure des courses d'obstacles au monde et la plus longue aussi, mais la plus merveilleuse. Voilà, alors la plus longue, la plus dure? Le président, la plus dure ou la plus longue? La plus dure, et bon pour Alain, ce sera la plus longue, évidemment. Si on retourne, c'est le Francir Anjouleur Challenge. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur avec le nouveau logo? Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte magique? Il y a des choses effectivement très utiles, très utiles. Sortez couverts avec le Francir Anjouleur Challenge. Merci messieurs, merci.